Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, hein. Là, tu vois du gameplay en terreau? T'es en train de voir un mec qui a un viseur qui... Oh! Un mec qui sait pas tirer? Ah oui, bah c'est moi, bonjour! Ça fait un mois que j'ai pas joué à Rainbow, les gars. Le jeu, j'ai l'impression qu'il est bizarre, c'est... Ah! Je vais un peu me chauffer dans ce mode de jeu, tu vois. Et sauf que je vois personne. C'est un peu embêtant! Oh putain, on a mis une tête! Ouais, là, t'es en train de te dire, mais il est complètement con, Banou, là. Et tu as raison de dire ça. Ah, ça m'avait pas manqué ça. En gros, les gars, j'ai sorti cette vidéo il y a une semaine, hein. Mais en gros, c'était des clips que j'avais déjà. Ah! C'est des clips que j'avais déjà en stock. Donc là, vraiment, ça fait un mois, vraiment, que je n'ai pas touché à ce jeu. Ouh! On va aller en classer après, ça va être un massacre. Et je vais. Ah! Bah, ça va, on n'est pas si rouillé que ça pour l'instant. Regarde, on met des one-tap au. Je vais aller en classer, t'inquiète pas, Michel. Et je t'expliquerai pourquoi je fais des petites pauses sur le jeu en ce moment. Oh yeah! Ah bordel, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué là. Oh frontière! Bon du coup, faut bannir qui? Moi je sais pas si la méta a changé. Non, pas du tout. Je suis prêt à me faire péter le trou de balle! Ah bah ça change pas, toujours les mêmes! Ah! Être 4v5 aussi, hein! T'as pas changé ça! Au moins c'est cool, tu retournes sur le jeu, t'es pas dépaysé. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est dur! C'est vraiment bizarre comme ressenti quand tu touches la manette là, hein. Putain! Ma sensi elle est super haute! Mais comme ça fait un mois que j'ai pas joué, bah. Eh bah voilà quoi! Oui, il est revenu! Mais il peut pas jouer encore! Si je reste comme ça, tu m'insultes ou pas? C'est ma seule chance de faire un kill, les gars. Ah! Ah, mon shoot! Mon shoot! What the fuck? Ah, je me sens mal, là. Oui! Il est encore à terre, je crois. Hein. Bon, bah, les couilles, je l'ai eu. Ah, c'est très très compliqué, je vous jure. Ouais, quoique. Oh, cool! Ah, elle m'avait manqué, elle. Mais pour l'instant, tranquille, on joue, les gars. Et puis, par la suite, je vous expliquerai pourquoi un petit peu. En fin de vidéo, j'ai fait une petite pause. Comme ça, là, tranquille, on redécouvre un peu le jeu, j'ai envie de te dire. Ah, mais regarde ma sensi, là. Il y a un problème dans le jus de fruits là. Voilà, tu peux être sûr qu'il n'y aura pas de grenade, ma couille. Hein. Ah bah non, faut pas quitter. Ah, 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 ah. Coucou. Oh mais non. What? Mais il devait y avoir un drone, c'est pas possible. Si tu veux, toi avec ta tête de gland. N'empêche, j'ai de la chance, j'ai une bonne map. Pour une fois que j'ai de la chance un peu. Attends, il n'y a pas un Jean-Michel là? Si là. Attends, mais si, il est dehors, attends. Mais putain, mais moi j'ai. Oh mon shoot. Mais j'ai pas de chance. Mes yeux, ils arrivent pas à suivre mon gameplay, je te jure. Et l'arme de plus, quand il court, c'est moi ou elle est bizarre, là? Ouah, on voit ses pieds, regarde ses petits pieds. Ah, je redécouvre Rambo. Ouais, il est mort comme une merde, lui. Ouais, pourquoi pas. Ok. Ah ouais, diffuseur avec H. Ouah, elle s'est fait punir. Oh, là, vous le spawn kill. Oh. Ah, il y a Capcom, Capcom dehors. Ah, il y a Valkyrie aussi. Oh, il va me voler mon kill. Ah bah, c'est le karma, t'es mort. Elle est là, elle est là. Ah, elle est où? What? Moi, je comprends plus rien, ce jeu. S'il te plaît, une bonne map. Oh, je t'aime. Très fort. Ah, le mono sourcil, il m'a manqué aussi. J'ai opté sur C4, oui. C'est quoi, ça? C'est qui, cet opérateur mort, là? Ah, c'est Goyo. Non. Ma clé mort m'a sauvé. Bien joué, les gars. Ils sont encore au top, apparemment. Attention, la petite Kevera. Éventuellement, pour du petit roaming. On va droner un coup. Je pense qu'il va y avoir un brouilleur là-haut. On l'a vu, lui. On va essayer de te jouer. Ça passe. Il y a un laser là. Il y a un laser, wesh. C'est à toi le laser, mon pote? Non, non. Oh, tu m'as sauvé. Merci, mon pote. Tac. On va essayer de viser le crâne. Ok, il est au fond là-bas. Vous pensez que si je fais comme ça, je peux casser le boubou? Oui, bien. Je savais qu'il arrivait, cette tête de gland là. Bien joué, ça. Bien joué. Alors, attends, ils sont remis au top. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser par l'escape blanc. Eh ben non. Vous avez vraiment envie que je vous parle de pourquoi j'ai un petit peu arrêté Rambo? Déjà? Vous avez pas envie qu'on attende un petit peu? Si, on va attendre. Donc comment je fais pour avoir les 10 minutes, moi? En vrai, ça me fait trop rire, les mecs qui disent « Ouais, tu fais 10 minutes, tu fais 10 minutes de vidéo pour mettre des pubs, Mais en fait, je t'explique un truc. Que je fasse une vidéo de 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes, c'est exactement le même montage pour moi. La vidéo, pour toi, elle change pas. Juste, moi, cependant, ça me permet d'avoir un petit peu plus de pubs. Et donc, un petit peu plus d'argent. Il est où, le mal? À part de la jalousie, je vois rien d'autre, moi. Bref. Ah, la gros. Ouais. Ah, je l'ai vu. Lui aussi. À terre, mort. Oh, Jaeger. Ah, non, dommage. Normalement, il va rentrer là. Pourquoi ils ont renforcé ce mur, wesh? Et je suis droné. Il est rentré, les gars. Yes. On va gagner, là. Bah ouais, on va gagner. Eh, s'il te plaît, une bonne map. Ah, j'aurais mieux fait de fermer ma grande gueule, moi. Il l'avait pas retiré, cette map de merde? Bon, du coup, je vais t'expliquer pourquoi je fais moins de vidéos en ce moment. Essaye de te mettre à ma place avant de dire... Écoute-moi, pour que moi je fasse un mois de pause sur Rainbow Six Siege, c'est vraiment qu'il y a un gros souci.
Enfin, un souci, oui et non. C'est pas non plus un truc de ouf de pas jouer au jeu pendant un mois. Sauf quand tu fais des vidéos. Et pour mon cas, ouais, j'ai mes raisons. Donc ça fait 4 ans que je joue à Rainbow, enfin plus de 4 ans. Et c'est la première fois de ma vie que vraiment le jeu m'a... Comment vous expliquer ? M'a cassé les couilles en fait. Et ça me casse les couilles en fait pour plusieurs raisons. Et ces raisons elles sont personnelles, donc c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Donc pour toi, pour lui, pour elle, ou ce que tu veux. Avant, quand on jouait à la Play, c'était direct... Bon les gars, on allume Rainbow, on fait une classée machin. Et avec tous les soucis qu'il y a eu, ou qu'il y a encore, j'en sais rien, je suis même plus informé en fait de ce qui se passe sur le jeu. Et ben en fait, avec tous ces trucs, toute la hype elle est partie. Tout ce que Ubisoft en fait ont réussi à mettre en place, bah pour mon cas c'est j'ai plus de hype en fait. Je vous sors cette vidéo parce que ça fait un mois que, enfin un mois, ça fait une semaine et quelques que j'ai pas fait de vidéo. Mais je peux t'assurer que si j'avais pas été youtubeur, Rainbow je l'aurais même pas lancé ne serait-ce qu'une seule fois. Non mais moi j'ai pas honte hein, de vous dire ça en vidéo, moi je suis quelqu'un de très très franc. Moi je suis pas le genre de youtubeur, d'influenceur, de streamer qui va sucer le jeu en fait, tu vois. Pour me faire bien voir auprès de la communauté, pour me faire bien voir auprès d'Ubisoft. Mort. Moi j'aime bien dire un peu ce que je pense, que ce soit positif, négatif, mais la direction que prend Rainbow Six Siege, bah c'est pas celle-là qui m'a fait aimer le jeu en fait, tu vois. Et je te l'ai dit, c'est un cas qui est personnel. Le Rainbow Six Siege de maintenant en fait, bah c'est pas que je l'aime plus. Il viendra pas, il va jouer son ratio. Eh bah tu joueras pas ton ratio parce que oh, je t'ai décalé mon pote. Et c'est pour plein de raisons que ça me fait ça en fait. Et ça me fait chier, très très chier. C'est peut-être moi aussi qui ai grandi, qui ai plus les mêmes attentes ou je sais pas quoi. À titre de comparaison, je sais que certains vont me dire « Ah, mais qu'est-ce que tu racontes encore ?» J'ai jamais joué à Fortnite de ma vie. Ils ont tout changé dans leur jeu, ils ont fait une annonce de malade mental. Il y a plein de nouveaux trucs, machin, c'est pas révolutionnaire, mais vraiment, franchement, leur jeu... Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Putain! Et en gros, ouais, ils ont fait une chier d'améliorations, de nouveautés, machin, que tu te dis, le jeu, ah ouais, t'as, tu vois qu'ils travaillent dessus, qu'ils essayent d'innover, et sur Rainbow, il n'y a plus rien. Rainbow, c'est l'inverse. Rainbow, ils te font des armes recyclées, des trucs réchauffés, des compétences qui sont en attaque, mais qui vont être mises en défense. Franchement, c'est tout l'inverse, en fait, tu vois. Et tu te dis que, merde, Ubisoft, qui reste sur leurs acquis sur certains trucs, pareil, des maps qui sont rework, alors c'est super, hein, des maps rework, Jackal, t'es vraiment une merde, mais t'as l'impression, en fait, que c'est pas des trucs vraiment nouveaux, et... T'as une sensation d'inachevé et c'est pareil pour les armes recyclées, sauf pour les puristes hein, bien sûr qui sont prêts à ouvrir leur cul et dire amen à tout ce que vont faire Ubisoft, hein, ça je vais pas dialoguer avec vous. Dégage. Voilà. Et bref, voilà, à titre de comparaison, faut... Ah donc il doit être là-bas. Ah ouais. Mais ce qu'en revanche Ubisoft ils font très très bien, c'est la Pro League. Tu vois, ça on peut pas leur reprocher. Je pense qu'ils misent tout sur cette Pro League. Je suis un gars qui m'en bat les couilles, qui s'en bat les couilles par exemple des compétitions, machin, compagnie. Donc ça c'est mon souci à moi, c'est pas Ubisoft. Si moi j'aime pas, j'ai qu'à me barrer. Mais le problème c'est que je fais des vidéos sur Rainbow. Ça fait 2 ans et quelques. Je me suis enfermé que dans Rainbow et ça je le regrette vraiment. Et aujourd'hui quand tu penses à moi, tu me catalogues dans la catégorie YouTuber Rainbow. Et ce qui est normal, je fais des vidéos que sur ça. Mais je crois que là, c'est triste à dire. C'est pas que je suis arrivé à sur la fin, hein. J'espère pas. Et Rainbow ne me procure plus le même plaisir qu'il me procurait auparavant. Je pense que c'est le cas à peu près pour un bon nombre d'entre vous, parce que des fois je me fais spam de messages pour me dire que Rainbow, vous avez déserté le jeu parce qu'il y a plein de trucs qui vous cassent les couilles, par exemple ce que je vous ai cité et tout. Mais moi, en tant que youtubeur, de me dire que Rainbow c'est la fin, c'est un peu dur pour moi, tu vois. Après, j'ai pas envie que ce soit la fin. Après, peut-être que je vais avoir un déclic et peut-être que je vais trouver d'autres concepts à faire. Par exemple, j'ai changé mes montages, mais j'aimerais bien faire mes montages sur d'autres jeux. Mais je sais que si mes montages, je les fais sur d'autres jeux... Merde. Voilà. On va tuer H d'abord. Voilà. Ah bah très très bien ça. Bah je sais forcément que ça fera moins de vues, ce qui est normal. Et puis vous serez pas habitué, ce qui est complètement logique, ça je le conçois très très bien. Mais j'ai pas envie, tu vois, de rester enfermé dans Rainbow. Enfin, peut-être que je suis arrivé à un tournant, tu vois, où c'est l'heure de changer, tu vois. Ça a jamais tué de personne de changer de contenu, peut-être que je le ferai. Moi j'ai besoin de liberté dans mes montages, j'ai besoin de vraiment, tu vois, faire pas n'importe quoi. Mais j'ai besoin de m'évader en montage, c'est con à dire pour toi, peut-être que ce que je suis en train de dire. Mais j'ai besoin d'avoir des libertés. Sur Rainbow, c'est un FPS tactique, chiant des fois, quand tu prends des lignes, machin. La plupart de mes potes ne jouent plus à Rainbow, donc pour faire les vidéos que j'aime bien faire du moment, c'est compliqué d'en faire, voire pas... Je peux plus en faire, en fait. Dégage. Toi aussi, dégage. Et on plante, hein. J'ai même pas pu finir mon histoire. Eh ben, on a gagné. Voilà, en soi, c'est peut-être moi le problème, je sais pas. Mais j'ai perdu de la hype en jouant à Rainbow. J'essaie toujours de vous divertir, hein, mais voilà. Je tiens aussi vraiment à m'excuser de l'inactivité, c'est... quelque chose que je déteste faire et surtout de pas vous tenir en fait au courant, tu vois. Donc je m'excuse par rapport à ça, je m'excuse si j'ai encore une période d'inactivité, je ne sais pas. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.